Nous allons maintenant recevoir ici, au siège du parti, face à la presse nationale internationale, le secrétaire général du PPACI, Damana Adia Pikas, qu'on accueille maintenant. Camarade Asso Adou, camarade président du CSP, camarade Hubert Oulaye, président exécutif du parti, honorable membre du conseil stratégique et politique, camarade membre de la direction du parti, mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais vous saluer et vous dire merci d'avoir répondu à ce point de presse du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ce point de presse est relatif à la marche qu'organise ou qu'organiserait la société civile le 25 novembre 2022. Nous avons des précisions à faire à cet effet. Vous avez pu voir hier le président du parti qui a pris un communiqué pour justement clarifier la position du parti. Et ce matin, nous sommes là pour apporter quelques précisions afin que la situation soit claire et nette dans l'opinion nationale et internationale. Notre parti, le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, est un parti de gauche, un parti socialiste à l'intérieur duquel la démocratie est pratiquée avec la plus grande rigueur. Nous sommes, du fait de notre idéologie, un parti proche des masses populaires, des masses laborieuses, ce que la société qualifie de petit peuple constitue le socle de notre parti. Nous sommes leurs défenseurs, les défenseurs des couches vulnérables, des couches défavorisées, et nous entendons garder cette posture qui est l'essence de notre engagement politique. C'est justement pour cela que nous entendons reprendre le pouvoir d'État pour promouvoir la justice, pour promouvoir l'équité et la justice sociale. Ce qui a fait hier la popularité de notre parti, c'est
et son enracinement dans la société, c'est sa vocation et sa capacité à défendre la démocratie et le bien-être social. Nos matières premières sont payées à vil prix. C'est Laurent Gbagbo et son parti qui se dressent. Les étudiants sont violentés nuitamment dans leur résidence universitaire. C'est encore Laurent Gbagbo et son parti qui dénoncent cette injustice flagrante et cette violation grave des droits de l'homme. À travail égal, salaire à double vitesse, c'est encore Laurent Gbagbo et son parti qui dénoncent cette injustice salariale. Et c'est justement ce même Laurent Gbagbo qui a aboli, lorsqu'il a pris le pouvoir, ce salaire à double vitesse. Et les enseignants le lui reconnaissent très bien. Je me limite à ces exemples pour démontrer, si besoin était encore, que nous avons toujours été au plus proche des populations et que nous sommes à la pointe du combat pour leur bien-être. À la pointe du combat pour leur bien-être. Et nous entendons continuer cette posture, garder cette posture dans le contexte, surtout dans le contexte actuel. Nous sommes donc conscients des problèmes sociaux, notamment la cherté de la vie. Nos militants, qui sont dans leur majorité parmi les couches défavorisées, comme je disais tantôt, sont écrasés par le poids de l'inflation. Ils en parlent constamment. Dans nos villages, nos parents s'en plaignent avec une certaine exaspération. Le débat a cours, même dans nos instances, les instances du PPAC. Le parti donc vit donc dans cette réalité et avec cette réalité. Le PPACI ne peut donc ignorer la cherté de la vie. Nous travaillons sur la question et nous nous réservons le droit d'apprécier la nature et l'opportunité de notre réaction. Il ne faut surtout pas perdre de vue que le parti est en pleine structuration par la mise en place de ses comités de base, de ses sections, de ses fédérations qui sont la force motrice de notre parti. Nous aurons terminé certainement cette phase d'implantation dans le mois de décembre 2022. Le parti se met donc progressivement en place et en ordre de bataille. Il ne faut donc pas brusquer les choses. Les militants doivent faire confiance à la direction du parti, mais dans la discipline surtout. Ce qui nous amène à aborder la question de la marche du 25 novembre 2022, dans laquelle on veut nous embarquer coûte que coûte, alors même que nous n'en avons jamais discuté, ni dans le principe, ni dans l'organisation, encore moins dans les objectifs, avec les organisateurs de cette marche. Je précise que l'idéologie de notre parti, qui est l'idéologie de gauche, l'incline à entretenir des rapports étroits avec la société civile. C'est une vocation des partis de gauche. C'est d'ailleurs à cet effet que nous avons un vice-président, un secrétaire général adjoint et des secrétaires nationaux techniques qui servent d'interface entre le parti et la société civile, justement pour maintenir l'étroitesse de nos rapports. Notre combat et celui de la société civile se rejoignent et ont in fine la même finalité, c'est-à-dire le bien-être des populations, à la différence près que la société civile n'a pas vocation à prendre le pouvoir, contrairement à nous qui sommes un parti politique. Quand notre parti veut associer dans une activité la société civile, nous en rencontrons les responsables et nous discutons du principe et des modalités. Et il est bien séant que la réciprocité puisse aussi jouer quand la société civile veut la collaboration ou bien l'implication de notre parti dans une activité qu'elle organise. Dans le cas d'espèce de la marche du 25 novembre, nous n'avons aucun reproche à faire à la société civile.
ou aux organisateurs qui sont libres d'organiser leur marche. Cependant, nous n'admettons pas qu'un de nos responsables puisse en jouer le premier rôle. Nous avons donc ramené à l'ordre ce responsable qui, par son activisme dans l'organisation et la mobilisation, tendait à faire croire forcément que le parti était associé ou impliqué dans la dite marche. La société civile ne peut pas vouloir tenir une marche et lorsque les autorités publiques veulent en entendre les organisateurs, c'est notre secrétaire général adjoint qui est convoqué. Cela est inadmissible et inacceptable. Mais nous avons contribué à entretenir cette confusion. Nous regrettons que ni les interpellations du secrétaire général au camarade de Charles Rodel, ni les interpellations du président exécutif, encore moins celle du conseil stratégique et politique, n'ont ému le camarade à l'effet d'infléchir sa position. La discipline étant la condition sine qua non de la réussite du combat, il fallait que le parti agisse dans ce sens. C'est ce qui justifie les mesures conservatrices actuelles prises par le président du parti à l'encontre du camarade. Le PPACI est un parti responsable qui pose des actes en connaissance de cause et en assume toutes les responsabilités. Quand donc le PPACI jugera nécessaire d'organiser une marche dans le cadre de la Charte de la vie, il le fera et toute l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, le saura. Parce que nous allons le faire de façon publique. Nous demandons donc à nos militants et aux Ivoiriens en général de garder leur calme, de garder toute leur sérénité, car leur parti, le PPACI, arrive sûrement. Je vous remercie. Amis de la presse, vous venez d'entendre le secrétaire général camarade Yabikas sur la position donc, du parti par rapport à cette marche organisée le 25 décembre ou novembre prochain de la société civile. Voici la position du parti. L'information vous est parvenue. Allez à vos rédactions, portez la nouvelle à vos lecteurs ou spectateurs. Ceci dit, vous pouvez maintenant partir à autre chose, surtout dans votre rédaction. Je vous remercie. Merci.